tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, double vlog puisqu'on commence avec le match de nos petits Tounsi. Voilà, match de la Tunisie et ensuite, Amine, on va où? Direct, on enchaîne. La Hodrup. La Hodrup, France-Danemark. Et là, franchement, les Tunisiens, ils sont venus en force. Hein. Je sais pas comment ils vont être dans le stade, mais je pense que les Australiens, on va pas du tout les entendre. En tout cas, voilà, on espère une victoire de la Tunisie. C'est parti, je pense que l'ambiance va être ouf. On y va, yalla! Oh!
jouer. C'est la mi-temps. Allez, la Tunisie est venue. Half-time score, Tunisia 0, Australia 1. Après la Tunisie, ouais. Toi avec ton maillot, toi avec ton maillot. Non, voilà, je suis essoufflée, je crois que je commence une vidéo. Ouh, en même temps, vous avez vu, c'est la course, on est sorti. On a marché 12 km. On est sorti du match de la Tunisie. Grosse déception, hein. Franchement, je suis encore dégoûtée. Hein. Là, franchement, les Tunisiens, ça l'a pas fait du tout. Je pensais que, voilà, aujourd'hui, on allait enchaîner deux victoires. Mais non. Et du coup, la France-Danemark, il y a intérêt d'avoir une victoire, sinon, on voit pas. Je vois plus de match avec toi. Victoire ce soir de la France, je les prononce. On va voir. Ou 0-0. Non. Allez, direction le 974 Stadium, le stade en forme de container, je vais vous filmer. Et voilà le fameux 974 Stadium tout en container. Donc un stade unique en son genre, où j'étais venue, pour ceux qui s'en rappellent, quand je suis venue au Qatar la dernière fois. Alors, on est sur une Ola au bout de
sur le terrain. C'est chaud aussi peu d'ambiance de la part des supporters des deux côtés. Aujourd'hui, mon téléphone il va s'éteindre. Il faut absolument que je trouve un. Ma pote elle a un chargeur en bas. Donc je descends, j'espère que je vais pas rater des buts. Il reste à peu près 10 minutes dans le temps réglementaire. Donc on va voir. Bon, les amis, je suis désolée, j'ai pas pu vous filmer le deuxième but. Victoire des Bleus, 2-1. Bon, c'était pas le meilleur match, hein, je vous dis la vérité. Wafa, c'était pas le meilleur match. Non. C'était pas du tout un truc de fou. Mais bon, l'important est fait. La victoire est là. Et demain, les gars, là franchement, j'espère de pas me tromper en disant ça. Mais je pense que c'est l'une des plus belles affiches de cette compétition. Espagne-Allemagne. Rendez-vous demain, restez bien connectés, ne bougez pas.